le programme de construction de 20 000 logements initié par le gouvernement de la République du Bénin. Ici à Ouedo, nous avons la construction de 10 849 logements sociaux et qui sont essentiellement constitués des bâtiments de type F4, c'est-à-dire un salon, trois chambres, équipés de douches, de cuisines et autres. Nous avons déjà eu à réaliser tout ce qui est travaux de viabilisation, c'est-à-dire les travaux d'amener d'électricité, d'eau, de fibre optique. Aujourd'hui, nous sommes à un taux d'exécution des travaux de 17% et nous comptons finir la réalisation des travaux pour la première phase d'ici février 2022. Essentiellement, nous avons les travaux de gros œuvres, des logements qui sont en cours, les logements témoins ont été ciblés et sont en cours de finition. La méthode ici qui était retenue pour construire les premières tranches de ce projet, c'est des méthodes sur le béton armé, mur et voile, avec une méthode de coffrage tunnel qui consiste à réaliser les voiles et les dalles, l'ensemble des murs et les dalles, l'ensemble en six journées. Dans la même journée, on essaye de réaliser l'ensemble de l'appartement. La même chose aussi pour les logements individuels, c'est que l'ensemble des murs de logement sont réalisés dans une seule opération, bétonnage, ferraillage et incorporation de toutes les lots secondaires de l'intérieur, dans la même journée. Et c'est une méthode qui nous permet de réaliser le nombre d'appartements qu'on veut, hein, c'est-à-dire là où aujourd'hui on est à 9, et on peut monter à 13, 14, 19, tout dépend du planning et des lots. Parce que là aujourd'hui on est sur les 3035 logements, sur les 10 800 qui sont attribués. Les autres ne sont pas encore attribués. Pour les 3035 logements, on est là à peu près réalisé déjà 28%, c'est-à-dire de ces bâtiments, c'est-à-dire en gros œuvres. Et que c'est la finition, on n'a pas encore commencé, mais il va suivre, avec un rythme de 15 logements au jour. Ouedo, c'est une cité nouvelle. C'est-à-dire, au-delà des logements qui sont construits ici, il y a des équipements sociaux communautaires qui sont prévus. Je veux parler des supermarchés, je veux parler des églises, des mosquées, des écoles publiques et primaires et secondaires. Et nous avons aussi tout un espace paysager qui est aménagé. C'est-à-dire, je veux dire, il y aura des bancs publics, il y aura de la verdure, beaucoup de verdure. En tout cas, tout ce qu'il faut pour faire vivre une ville moderne. Des 20 000 logements sociaux et économiques du Bénin, des villes nouvelles pour un habitat nouveau.